tendance en 3 minutes. Thème, le jean fondu ou split pant. Le split pant est là et promet de s'imposer comme une mode indispensable dont aucune modeuse ne pourra bientôt plus se passer. Mais alors, comment expliquer cet engouement? Avec ses fentes, sa coupe légèrement évasée et sa taille haute, le nouveau pantalon chouchou n'a pas fini de parler de lui. Notamment à la sortie des défilés de mode de la Fashion Week automne-hiver 2021. Depuis, il s'est aussi invité dans les collections de nos marques préférées comme Zara, Bershka et Mango. Moulant au niveau des cuisses et légèrement évasé sur le bas, le split pant est à adopter les yeux fermés. Le pantalon fondu n'est pas aussi compliqué à porter au quotidien que vous le croyez. Pour l'arborer sans aucune fausse note, il est important de le combiner avec des pièces classiques. T-shirt tie and dye, surchemise femme, chemise blanche, trench beige, veste blazer. Côté chaussures en été, optez pour des sandales à talons transparents qui pointent joliment le bout de leur nez à travers les fentes. Vous pouvez aussi miser sur vos plus jolis escarpins. Pour un look plus casual, chic, n'hésitez pas à associer le split jeans avec une paire de baskets oversize. Si vous hésitez encore à sauter le pas, voici un top 5 de vos fashionistas. Nous ouvrons ce classement avec la youtubeuse Ocean Eleven. Elle porte un body couleur pêche avec un blazer rose pétant par-dessus. Elle agrémente le tout avec la pièce phare du moment, le jean fondu et des sandales blanches. Son look est simple et efficace. À la quatrième place, nous avons la splendide Gloria Adé. La youtubeuse d'origine ghanéenne porte un split jeans bleu foncé avec une chemise oversize grise rappelant les tons de son jean. Elle accessoirise le tout d'une paire de daddy shoes. À la troisième place, Rihanna. Elle a opté pour un t-shirt grunge sans manches noires et vert avec un pantalon fondu blanc et vert. Des chaussures à talons pour adoucir son total look fort en identité. La seconde place est attribuée à Didi Stone Olomide. Le mannequin nous sert une version féminine et sexy du split jean, le tout dans un décor très bobo parisien. Elle porte un top blanc près du corps, le tout avec un jean fondu qui a des détails colorés et une paire de mules rouges vifs rappelant son rouge à lèvres. La première place du classement revient sans aucun doute à la phénoménale créatrice de contenu Yas Hélène. La belle femme a porté un pantalon fondu bleu clair avec une maxi chemise blanche et des chaussures à talons nudes. Côté accessoires, elle opte pour un chapeau beige nude et son maquillage tout en douceur laisse parler son style avant tout.